Éternel, tu es mon roi. Éternel, you are 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 mon roi. Que dois-je dire? Éternel, you are mon roi. 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 Éternel, je te loue. Éternel, you are mon roi. Éternel, you are mon roi. Je te loue, je t'exalterai, Jésus. 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 Je te loue, je t'exalterai, j'ai frémis. Je te loue, je t'exalterai, Jésus. Je reste dans la louange, Yahweh. Je reste dans la prédication, Jésus. Je reste dans la louange, Yahweh. Je reste dans la prédication, Jésus. Je te loue, je t'exalterai, Jésus. Je te loue, je t'exalterai, Jésus. Que dire-je? Reste dans la louange, la prédication, Yahweh. Je te loue, je t'exalterai, Yahweh. Je te loue, je t'exalterai, Yahweh. Que Dieu soit béni, soit loué, exalté. Je reste dans la louange, mon Jésus. Je reste dire dans la louange, mon Jésus. Je te loue, je t'exalterai, Yahweh. Je te loue, je t'exalterai, Yahweh. Yahweh, you are mon roi, you are mon roi. Yahweh, you are mon roi, you are mon roi. Oroba, singendo, sendenando. Kendero, sendeyo, kendesando. Kendelo, senderaba, bobabessa. Kondola, basengenda, la songa. Bonjour, frère et soeur. Quand je fais Koroba, Sakarim, Kondole, Singendo, Raba, Songa. C'est le parler en langue dont parlait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Vers la fin de 1 Corinthiens, ça s'appelle le parler en langue. Koroba sekendolo sandolando sa. Priez avec moi. Koroba, priez Jésus. Koroba sekendo sa. Olanda sekendo sandarota. Koroba songonda sandaloga. Kolora robosa kondo sanda. Kondoya songonda songondoya. Kondo robo singendo la Jésus mon roi. Jésus mon roi, Jésus tu es mon roi. Jésus mon roi, tu es mon roi. Jésus mon roi, tu es mon roi. Jésus mon roi, tu es mon roi. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils. Entre les pastoureaux jolis, dors, dors, dors le petit-fils. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors,
dans le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins siègent autour du trône divin. Mille anges divins, mille séraphins siègent autour du trône divin. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort la grâce incarnée. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort la grâce incarnée. Jésus-Christ, tu es le Très-Haut. Nul n'est au-dessus de toi, Seigneur. Jésus-Christ, tu es le Très-Haut. Nul n'est au-dessus de toi, Seigneur. Alléluia. Vous avez prié? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est important, il faut prier. Amen, frère et sœur. Alors, je vais lire le psaume 23 maintenant, pour la gloire de Dieu. C'est improvisé, hein. Je prie, je loue, voilà, je chante parce que j'ai besoin pour me ressourcer spirituellement. Au nom de Jésus. Je lis le psaume 23 pour la gloire de Dieu. Psaume 23 pour la gloire de Dieu, je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si je mets un petit boule-caisse dans l'oreille pour dormir, des fois ça m'aide à m'endormir. Des fois j'oublie de l'enlever la journée, c'est pour ça que je l'ai encore dans l'oreille. Mais je vais l'enlever. Peut-être que je vais le garder, mais peu importe. Je relis le psaume 23 pour la gloire de Dieu. Je relis le psaume 23 pour la gloire de Dieu. Écoutez bien, vous tous qui me regardez. Psaume chapitre 23, pour la gloire de Dieu, je lis. Que Dieu nous bénisse. Psaume 23, pour la gloire de Dieu, je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. C'est ça que je voulais lire tous ensemble. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins. Siègent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, siègent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils, mille anges divins. Mille séraphins siègent à l'entour de ce grand Dieu, d'amour. Entre le bœuf et que dire? Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastoureaux jolis, dort, dort, dort le petit-fils, mille anges divins, pardon, mille séraphins, siègent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Je vais juste vous dire deux, trois mots sur la persévérance. Il faut persévérer quelle que soit la situation. Il faut persévérer parce que Dieu, peut-être que Dieu est toujours avec nous. Hein. Dieu,
ne nous abandonne pas si nous restons accrochés à lui, et ne nous abandonne pas. Il dit bien dans Josué, que nous allons lire tout à l'heure, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc il faut que nous persévérions, il faut que nous accrochions à Jésus, il faut tenir ferme, bien-aimé. Amen. Quelle que soit la situation, tenez ferme, tenez bon. Dieu est fidèle. Dieu va accomplir sa parole. Dieu va nous glorifier pour sa gloire. Dieu va manifester sa gloire dans nos vies. Dieu va nous maintenir dans sa présence. Dieu va nous aider à marcher dans ses voies. Dieu va nous sanctifier. Dieu va nous donner la force. Dieu va nous donner son amour. Dieu va nous donner sa douceur. Dieu va nous donner sa sagesse, bien-aimé. Amen. C'est très important de persévérer dans la vie chrétienne. C'est à cela que nous sommes appelés. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de tout cœur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de tout cœur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Lisons encore une fois le psaume 23 pour la gloire de Dieu. Je le lis rapidement. Psaume 23 pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Lisons, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui regardez, Josué chapitre 1. Je lis pour la gloire de Dieu. Josué chapitre 1. Pour la gloire de Dieu, je lis. Josué chapitre 1, je lis pour la gloire de Dieu, Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Josué chapitre 1, verset 5. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple à... Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ça, c'est pour tout le monde. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, pardon. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Verset 12. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel votre Dieu vous a accordé le repos et vous a donné ce pays. Verset 14. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient ainsi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout
partout où tu nous enverras. Et nous irons partout où tu nous enverras, pardon. Et nous irons partout où tu nous enverras. Verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Voilà. Nous avons lu Josué chapitre 1. Nous avons lu psaume 23. C'est merveilleux. C'est la parole de Dieu. C'est puissant. Et on est béni. Amen. On est béni. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous guide éternel. Protège-nous, guide-nous. Protège-moi, guide-moi. Maintiens-moi dans le sentier de la justice afin que je puisse délivrer encore des messages de ce type pour ton peuple, pour nous édifier. Que ton nom soit élevé dans ma vie, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Protège-moi, guide-moi, bénis-moi, éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Sois élevé, sois glorifié dans tous les siècles. Que ton nom soit élevé, que ta gloire se manifeste dans ma vie, tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce. Je t'en supplie, donne-moi la force dans la prière, donne-moi la force dans la lecture de la parole, donne-moi la persévérance, donne-moi la patience. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis à la prochaine. Ciao.